Bonjour, je m'appelle Jennifer Agermeau, j'ai 34 ans et je suis soudeuse. Quel parcours avez-vous fait pour devenir soudeuse? Alors, moi je suis, en fait, je me suis adressée au Pôle emploi et j'ai pu accéder à une préqualification industrie, puis à une formation pour une entreprise qui recrutait dans la tuyauterie nucléaire. Après ce parcours, est-ce que vous avez trouvé tout de suite? Oui, parce qu'en accédant à cette formation, j'ai pu aussi avoir un CDI si en contrepartie j'avais mes qualifications en fin de formation, ce qui a été le cas. Du coup, je suis partie travailler sur Nancy, dans cette entreprise spécialisée dans la tuyauterie. Quand est venue l'idée de faire ce travail? En fait, j'ai un conjoint qui est dans le métier de l'industrie aussi, qui est donc chaudronnier soudeur. Et je voulais changer de travail, donc je me suis tout simplement lancée, donc, comme je vous dis, vers le Pôle emploi, qui m'a dit qu'il y avait une préqualification industrie. Et en arrivant en préqualification, ben, j'ai pu découvrir donc, la tuyauterie, la chaudronnerie et la soudure. Et finalement, j'ai trouvé ma vocation. Voilà, j'aime souder. Pour un jeune, que faut-il faire pour devenir soudeur? Ben, il faut qu'il accède donc à une formation donc dans un établissement qui forme les jeunes. Parce que moi, j'ai commencé une formation en tant qu'adulte, donc j'ai pas eu le même parcours en fait au niveau du processus. Mais voilà, il faut donc accéder à une formation de soudure. C'est un métier dans lequel il faut pas avoir peur de bouger, il faut être mobile. Moi, j'ai dû partir à Nancy. Quand j'ai commencé, j'ai dû quitter Cherbourg et partir et accepter pour pouvoir avoir droit à mon CDI et pouvoir débuter dans ce domaine. Donc j'ai dû moi-même déjà bouger avant de quand j'ai débuté en fait. Mais voilà, il faut pas avoir peur de se lancer. Il y a vraiment vraiment du travail. Voilà, faut pas rester se dire qu'on restera que dans la Manche. Il faut pas avoir peur de bouger. Voilà, parce que les entreprises te le demandent. Comment pense votre entourage en tant que soudeuse? Comment mon entourage voit ce travail? Je suis plutôt très bien vue dans ma famille. Ça a aussi donné envie à ma belle-sœur, elle aussi, de faire soudeuse. Et donc, du coup, elle aussi s'épanouit dans ce genre de domaine. Ça se passe plutôt très bien. Mon mari aussi est plutôt très fier de ce que je fais. Mon fils, j'ai un petit garçon, donc je lui montre aussi qu'une femme, ça peut faire ce genre de travail. Ça peut être aussi une maman, ça peut rester féminine. Travailler qu'avec des hommes, ça m'a beaucoup enrichi. Ça m'a permis de voir un petit peu plus côté masculin, comment ça pouvait se passer sur le domaine du travail. C'est beaucoup plus, comment dire, l'ambiance est beaucoup plus agréable à travailler avec des hommes. Après, c'est vrai qu'il y en a certains qui sont plus réticents. Ça m'est arrivé d'avoir besoin d'un coup de main sur mon chantier et qu'il y ait un de mes collègues qui me dise, écoute, tu as voulu faire ce travail, donc maintenant à toi de montrer toi que tu es capable. Donc j'ai beaucoup de caractère, donc je ne suis pas du genre à laisser tomber. Et ce qu'il faut, voilà, c'est bien s'accrocher. Et après, les hommes finissent par bien vous accepter. Il faut montrer de quoi on est capable et aimer surtout ce qu'on fait, quoi. Mais sinon, ça se passe plutôt très bien. Quelles sont les contraintes physiques dans ce métier? Les contraintes sont que moi, pour ma part, en fait, travaillant à bord d'un sous-marin, je dois pouvoir me travailler dans des endroits confinés, exigus, pouvoir me plier dans tous les sens pour pouvoir aller faire une soudure qui, des fois, n'est pas très accessible. Il y a de la soudure donc à la glace, il y a de la soudure dans différents procédés, que ce soit le TIG, l'arc, le 136, donc c'est-à-dire le semi-auto. Et c'est vrai que ça dégage plus ou moins de fumée, de chaleur, et les conditions ne sont pas forcément toujours faciles. Je peux travailler aussi en hauteur, donc il ne faut pas avoir le vertige. Il faut pouvoir avoir une certaine forme physique, pouvoir porter des choses lourdes, pouvoir grimper haut avec tout son matériel, c'est-à-dire son poste, sa baoule, et arriver sur le chantier dans des endroits qui ne sont pas très accessibles. Faut installer, bien préparer son terrain, c'est-à-dire bien faire en sorte que rien ne soit brûlé autour.
voilà, bien regarder si le chantier est bien prêt. Donc c'est vrai que physiquement, voilà, ça me demande, quand je m'installe, ça me demande vraiment beaucoup d'efforts parce que c'est pas évident de s'installer à bord afin de travailler. Donc voilà, donc en tant que soudeuse, c'est vrai qu'une fois que je mets la cagoule, on ne fait plus la différence entre un homme et une femme. Le travail est aussi bien fait. Dans notre travail, bien au contraire, les industries se sont rendues compte que les femmes aussi pouvaient faire du très bon boulot et étaient même des fois même plus minutieuses qu'un homme. Donc effectivement, dans ce domaine, ils aiment aussi prendre des femmes. Et voilà. Donc sous la cagoule, on ne fait plus la différence et le travail est aussi bien fait. Donc à toutes les femmes qui veulent faire ce travail, je leur dis de foncer, d'y aller, parce que c'est un métier très intéressant, épanouissant et que il y a possibilité de s'organiser afin que tout se passe bien. Mais c'est vraiment un très beau travail et que, voilà, je dis à toutes les femmes de se lancer dans l'industrie, c'est un beau métier. Merci pour cette interview et bonne continuation pour le travail de soudeuse. Vous aussi, merci beaucoup. Au revoir.